C'est en Norvège que je vous emmène pour ce nouvel épisode de Go Explore. La Norvège est un des rares pays où mes deux passions sont réunies. Un des rares pays où je peux skier et naviguer dans la même journée. Et c'est naturellement avec un grand marin que je voulais partager ce trip. Après m'avoir aidé, entraîné et surtout transmis sa passion pour la mer, c'était à mon tour de faire découvrir à François Gabart mon univers de la montagne. Pas de neige en bas, beaucoup de neige en haut, mais 120 km par devant, c'est pas facile. Là, du coup, ça s'accumule là, mais là, par contre, ça craint pas parce qu'il y a pas de pente. Voilà. On est dans un endroit qui est hyper sûr, mais 100 mètres plus loin. Là, il y a aucun. Là, pas là. Non, pas un mètre. C'est comme le degré de gîte. Longtemps la question, ah, regarde, décidé de rentrer. Regarde. Et ben voilà, je pense qu'on a bien fait. C'est monstrueux. Je comprends, c'est bon, d'accord. On s'est levé ce matin, c'était pas ça mal. Ça continue. Puis il s'est mis à vanter extrêmement fort. Moi j'ai appris aujourd'hui qu'un grand alpiniste sait renoncer. C'est moi ou il y a de la glace là? Il y a de la glace. On essaye de casser la glace quoi. Et là c'est brise-glace quoi. Moi j'ai jamais fait là. Hein. Ça dépasse mes compétences, c'est de la glace, c'est toi Aurélien. Tu connais les mecs qui brisent la glace avec un Benetton? C'est la première fois que je brise de la glace de ma vie. Ah ouais, ça m'a plu ça. Hein. Avec des montagnards c'est plus rassurant déjà. C'est un peu sa première entrée de ligne, quoi, une vraie ligne. Ah là, ouais, là, c'est sérieux, quoi. Alors dis-moi, gauche. On va rentrer tranquille, moi, tu rentres vraiment tranquille comme ça. Gauche, alors, là. Juste, explique-moi comment tu rentres tranquille, là, tu sautes là-dedans, quand même. Ouais, bah... Un petit peu à mon, faut y aller, quand même. Si tu veux un bout de corde... Ça marche, si tu penses que tu as une chance de te mettre la gueule, on met un bout de corde, et puis voilà. Voilà, je sais pourquoi je suis amoureux de la mer et de la montagne. Je viens pas venir vivre ici, on va y aller deux. We'll be right back.
c'est passé tout droit quoi. J'ai pas encore très bien compris par où on descend, mais... Bah si, je vois pas où on descend, y'a pas 250 voies. Pas bien là, avec François qui rame tranquille, il nous ramène à la maison.